Comment grossir vite et prendre du poids sainement On va démarrer par quelque chose où on est tous d'accord. Pour prendre du poids, il est évident qu'on doit apporter plus d'énergie qu'on en dépense. On peut faire une analogie avec un compte bancaire. Si tu veux que ton compte bancaire grossisse, si tu veux plus d'argent sur ton compte bancaire, il faut que ton salaire soit plus élevé que tes dépenses. C'est évident. Plus tu veux grossir vite, plus il faut que l'écart entre ce que tu apportes et ce que tu dépenses soit élevé. Plus tu veux que ton compte bancaire grossissent plus il faut que l'écart entre ton salaire et tes dépenses soit important. C'est logique. Quand on veut grossir vite, on est immédiatement face à un problème évident qui est la capacité digestive. Et oui, tous les jours, il y a un volume d'aliments maximal que tu peux digérer. Au-delà, tu vas avoir des problèmes digestifs et c'est pas bon du tout pour ta santé. De toute façon, si tu as des problèmes digestifs, tu pas bien et de toute façon, ça compromet ta prise de poids. Donc chaque jour, il y a une quantité d'aliments limite que tu peux digérer. Tout comme chaque jour, tu as un certain nombre d'heures où tu peux travailler et donc gagner de l'argent. Donc on a une limite naturelle chaque jour en termes d'apport énergétique qu'on ne peut pas vraiment dépasser. Pour prendre du poids, il y a deux façons de faire. Soit tu augmentes tes apports énergétiques, soit tu baisses tes dépenses énergétiques. Généralement, les gens ne vont pas trop te conseiller de baisser tes dépenses énergétiques parce qu'au contraire, on veut un organisme qui fonctionne bien, on veut une thyroïde qui fonctionne bien, on veut un bon métabolisme. Donc généralement, ce que tout le monde propose, pour prendre du poids, c'est d'augmenter tes apports énergétiques, donc tout ce qui vient de l'alimentation. Moi, si je voulais prendre du poids, la première chose que je ferais, c'est de me concentrer sur des aliments denses énergétiquement. Puisqu'on a tous une limite en termes de volume de nourriture qu'on est capable de digérer, tout ce qu'on va manger, il faut donc que ce soit un maximum énergétique. Il faut qu'on exploite au maximum notre capacité digestive. Et c'est là où je vois vraiment un gros défaut dans les diètes classiques de prise de masse. Pour moi, ce sont des diètes vraiment mal formulées. On va retrouver beaucoup de viande blanche, du fromage blanc 0%, des steaks hachés à 5%. Ça pose un vrai problème et je vais te l'illustrer avec deux images. Sur la première image, à gauche, tu vois un steak haché à 20% de matière grasse et à droite, c'est un steak haché à 5% de matière grasse. Regarde l'écart qu'il y a au niveau calorique, au niveau énergétique entre ces deux steaks. À ton avis, quel steak tu vas manger si tu veux maximiser tes apports énergétiques avec un minimum de digestion Je vais te montrer une deuxième image. À gauche, tu as de l'agneau et à droite, tu as du blanc de poulet. Ils ont exactement le même poids. Regarde bien la différence énergétique entre ces deux aliments qui ont exactement le même poids, qui vont prendre la même place dans ton estomac. L'agneau est quasiment deux fois plus énergétique que le poulet. À ton avis, laquelle de ces deux sources de protéines tu vas privilégier si tu veux prendre du poids. Donc, ça, c'était le premier point. Privilégier les aliments denses pour exploiter au maximum sa capacité digestive. Et ça, de toute façon, tu peux l'appliquer à toutes les catégories alimentaires. Le deuxième point qui me paraît très important quand on veut prendre du poids vite et sainement, c'est de se concentrer sur les micronutriments, sur les vitamines et les minéraux. D'ailleurs, si ça t'intéresse pas de prendre du poids sainement, tu peux arrêter la vidéo là. Et donc, quand on parle de micronutriments, de vitamines et de minéraux, bah déjà, c'est un sujet qui est zappé par beaucoup de gens. Qui donnent des conseils sur la prise de poids ou alors s'ils vont un petit peu plus loin ils vont te dire des choses bateaux du style bah voilà mangez de tout mangez des fruits et des légumes de toutes les couleurs et vous aurez les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin il n'y a rien de plus faux les vitamines et les minéraux en termes de quantité et de qualité sont avant tout présents dans les produits animaux et en particulier dans des aliments qui sont peu consommés de nos jours, et je vais t'en citer quelques-uns. Les aliments les plus riches en micronutriments sont les abats, le foie, le cœur, les rognons, la cervelle. Ce sont des trésors de micronutriments qui sont de moins en moins consommés malheureusement de nos jours. Ensuite, tu as les fruits de mer, les huîtres, les moules, les coquillages, les palourdes, les crustacés, les bulots. Ce sont des trésors de micronutriments, en particulier en minéraux. Ensuite, tu as les poissons gras, tout ce qui est macro, anchois, sardines, chinchards, Pareil, c'est des trésors de micronutriments. Ils contiennent beaucoup de vitamines du groupe B et ils contiennent des nutriments qui sont rares dans l'alimentation, comme le calcium et la vitamine D par exemple. Je vais te faire passer un petit peu des images pour vraiment que tu puisses te rendre compte à quel point ils sont riches, parce que moi je vois beaucoup de contenus euh, diététiques, prise de poids, où on vous dit voilà, ça c'est riche en ça, ça c'est riche en ça, mais jamais on ne vous affiche les images. Moi je vais vous en afficher quelques-unes et je vous invite à aller vérifier ce que je vous dis. Ensuite, on a les viandes rouges grasses qui sont décriées de plus en plus année après année. Là, je parlais de l'agneau, du bœuf, du mouton, du porc pour ceux qui en consomment, qui sont extrêmement riches en zinc, en fer éminique, en vitamine B12 d'ailleurs en quasiment toutes les vitamines du groupe B. On a les œufs ça, ça va. Les œufs, tout le monde en consomme. Il y a beaucoup de contenu sur les œufs, mais pareil, je le remets parce que les œufs, c'est vraiment un aliment de jouvence. Et ensuite, on a les produits laitiers crus qui sont pareil, extrêmement denses en minéraux, en calcium, en phosphore, par exemple. Donc, comme je te l'ai dit avant, la pensée générale sur le sujet, c'est que bah, la plupart des vitamines et des minéraux sont dans les fruits et les légumes. Il n'y a rien de plus faux. Attention, on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les fruits et légumes étaient inutiles et qu'il n'y avait absolument rien à en tirer. Je te dis juste que quand tu mets des fruits et des légumes face à des produits animaux et que tu compares, 1, la quantité en micronutriments et 2, la qualité de ces micronutriments et leur biodisponibilité, je te dis simplement qu'il n'y a pas photo. Certes, dans les fruits et légumes, tu vas trouver d'autres composés intéressants, comme les composés phytochimiques, la vitamine C ou le potassium par exemple, mais la plupart des micronutriments, et surtout de façon biodisponible, tu vas les retrouver plutôt dans les produits animaux. Et ça, c'est une réalité biochimique. De toute façon, tu peux aller sur n'importe quelle application qui compte les micronutriments, comme Chronomètre, ou tu peux aller sur le site siqual, tu vas très vite t'en rendre compte. En plus, dans les produits animaux, bah, la plupart des micronutriments sont beaucoup plus biodisponibles. On peut parler par exemple du fer héminique face au fer non héminique. On peut parler des Oméga 3, EPA et DHA face à l'ALA. LA. On peut parler de la vitamine D3 face à la vitamine D2. On peut parler du rétinol dans les produits animaux face au bêta carotène. Ben voilà, les exemples sont légion. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure certaines catégories d'aliments, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais il faut regarder la réalité en face pour savoir où est la densité et où sont les quantités de micronutriments dont nous avons besoin pour vivre. Et le troisième point sur lequel j'insisterai, si on veut grossir vite et prendre du poids sainement, c'est la digestibilité. C'est courant de voir des gens en prise de masse qui se gavent avec des diètes à 4000, des fois 5000 kilocalories et qui ont d'énormes troubles digestifs. Rappelle-toi, tu n'assimiles que ce que tu digères correctement. Si tu manges 5000 kcal, que tu as la chiasse toute la journée, que tu as des ballonnements, que tu as des problèmes digestifs, tu as vas probablement pas tout assimiler. Donc, la première des choses que moi je ferais, par exemple, c'est de privilégier les aliments digestes. et donc d'éviter un maximum les aliments qui sont compliqués à digérer. Par exemple, le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, c'est une catastrophe nutritionnelle. Ça fait partie de la famille des légumineuses qui est bourrée de lectines, bourrée d'antinutriments, bourrée d'oméga 6, qui pour la plupart vont être cuits. Et donc sont pro-inflammatoires et oxydés. Autre chose aussi, les flocons d'avoine. Moi je sais, j'en ai mangé des caisses comme tout le monde, mais c'est une céréale déjà complète et crue. Crue. Tous les antinutriments sont intacts dans les flocons d'avoine. A la limite, si on le faisait en porridge, qu'on les faisait chauffer un petit peu, bon, il y aurait une perte de vitamines du groupe B, il y aurait peut-être une perte de minéraux dans l'eau de cuisson. Mais voilà, manger 50-100 grammes de flocons d'avoine tous les matins, à mon avis, c'est une erreur fondamentale. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet. Il est en description si tu veux le lire. Et une autre catégorie d'aliments que j'aurais tendance à minimiser, c'est les oléagineux. Les oléagineux, sur le papier, c'est bourré de micronutriments. Il faut être tout à fait réaliste là-dessus. Il y a plein de vitamines, il y a plein de minéraux, mais encore une fois, le problème, c'est la biodisponibilité. Nous ne digérons pas correctement les oléagineux. Ils sont remplis d'antinutriments, remplis d'acides phytiques. Et il est illusoire de penser que nous absorbons tous les nutriments de ces aliments. Donc en conclusion de cette vidéo, moi si je devais grossir vite et si possible sainement, je choisirais des aliments denses en nutriments, je choisirais des aliments riches en micronutriments et je choisirais des aliments digestes pour pouvoir apporter un maximum d'énergie avec un minimum d'effort digestif. Si cette approche t'intéresse, j'ai créé un programme qui s'appelle Plus jamais maigre qui t'apprend à prendre du poids en bonne santé, sans complément alimentaire sans te gaver, sans protéines en poudre et sans ressembler à Schwarzenegger juste pour retrouver un poids de forme uniquement avec une alimentation 100% naturelle. C'est le premier lien en description, je te remercie d'avoir suivi la vidéo et je te dis à plus sur Vitae TV. Allez ciao